Bon, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. C'est cool. Je suis contente qu'on ait ce moment. D'autant que je sais que parmi vous, il y a des thérapeutes aussi. Il y a des gens que je connais, d'autres un petit peu moins. Mais je sais qu'il y a des belles énergies et qu'il y aura des belles intentions. Donc, ça devrait quand même être pas mal. Sans compter que, comment dire, on a les maîtres ascensionnés, là, qui sont Christ et Bouddha en plus qui sont avec nous. Donc, voilà, quand même pas rien. Bon, écoutez. Ouais. Hop. C'est marrant parce que ça reprend, ça repart. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont des, comment dire, des problèmes. On commence. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. J'aimerais bien quand même, enfin, j'aurais préféré que tout le monde soit là d'entrée, mais bon. Au pire, je crois que... Ouais, merci. C'est gentil. Bon, allez, on va arrêter là. Enfin, entre guillemets, on va commencer un petit peu. Alors, concernant les énergies récentes, là, je sais pas comment ça a été pour vous. Vous pouvez me mettre aussi en commentaire. Moi, j'ai trouvé que la nouvelle lune était particulièrement dure. Là, ça a duré quand même un bon moment. Moi, je sais que j'ai ressenti pas mal de confusion, pas mal de, comment dire, moi, c'est ma blessure d'abandon qui est ressortie pas mal. C'était aussi hyper émotionnel, à fleur de peau. Pas une bonne nuit, ouais, ça m'étonne pas non plus. Hein. Ça, il y en a pas mal en ce moment qui dorment pas très bien. Et c'est venu vraiment toucher à beaucoup de choses en profondeur, hein. Comme je vous l'avais dit aussi. Ah, merci. Comme je vous l'avais dit, c'est avec les énergies, mais là, de toute façon, comment dire, c'est venu vraiment toucher à nos structures, à venir en profondeur. Et le but de tout ça, c'est pas, comment dire, c'est pas nous blâmer, nous condamner de ce qu'on a pu voir ou de ce qu'on nous a forcé, entre guillemets, à voir, mais de voir comment on peut vraiment dépasser tout ça. Et là, comme je l'ai dit déjà un petit peu pour... ouais, pas mal. Hein. Les angines, chakra de la gorge. Hein, donc, il y a des choses aussi peut-être qui n'ont pas été assez dites, ce qui a été refoulé. Puis, angine blanche, soigne-toi bien, ce que tu peux... Enfin, moi, j'ai eu des rhumatismes articulaires aigus petites à cause de ça. Donc, vas-y à fond, même si ça ne te plaît pas de prendre des médicaments, ou que ce soit bien. Bon. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller, hein, parce que je vous vois en même temps. Alors, mal de dos. Je sais pas si vous connaissez aussi le dictionnaire des mots et des maladies. N'hésitez pas à aller regarder, hein, justement, par rapport à tout ce qui est douleur. Ça, c'est aussi cette pleine par rapport à ces histoires de douleur. On a Mars qui vient d'arriver en Cancer, et du coup, ça revient justement par rapport aux soins de soi. Et pour prendre soin de soi, il faut savoir être à l'écoute de son corps. Et du coup, voilà, il y a des douleurs qui peuvent ressortir, des maladies, etc., comme il y en a certains déjà parmi vous qui l'ont expérimenté. Et c'est vraiment pour revenir à soi et pour vous obliger aussi, peut-être pour certains, à faire. Oui, tu as raison. Tu as raison. Pour certains, à faire des modifications, alors peut-être dans votre hygiène de vie, peut-être dans votre alimentation. En tout cas, voilà. Comment dire? Je vais pas. C'est un peu comme vous stresser pour vous déstresser. Je sais pas bien comment l'expliquer. C'est plus pour vous mettre certaines choses en lumière pour que vous puissiez en prendre conscience et faire ce qu'il faut, si vous préférez, pour l'ajuster. Voilà. Donc. Par contre, on va passer maintenant, on va dire, aux énergies un petit peu plus de la pleine lune. Je suis quand même désolée pour certains que vous ayez eu des grosses douleurs. Je sais bien que c'est jamais agréable. Alors, j'ai travaillé sur mon chakra de la gorge. Ouais, donc il y en a pas mal, hein, quand même, par rapport aux histoires du chakra de la gorge. Ok. Bon, en tout cas, rassurez-vous, hein, enfin, je sais que, comme beaucoup de thérapeutes, on sent les énergies à l'avance. Et vraiment, la nouvelle lune, moi, j'ai pas été bien du tout. Je me suis demandé si j'allais passer, si j'allais redevenir entre guillemets moi-même. Et franchement, c'est revenu. Donc, vous inquiétez pas. Je pense là qu'en plus,
qu'avec ce soin, on va vraiment pouvoir avancer, d'autant que, comment dire, avec le mois de juin, hein, je vous ferai les énergies du mois de juin, on va passer en Gémeaux. Donc là, on va sortir un petit peu, on va dire, du ralentissement qui nous est demandé avec le taureau, hein, de revenir à soi, d'ancrer vraiment les choses à quelque chose de plus léger puis qui sera peut-être un petit peu plus rapide. Bon, voilà, pour en revenir à la pleine lune, on l'appelle aussi la pleine lune bleue. Apparemment, c'est entre guillemets la meilleure justement pour tout ce qui est transformation. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça va être le but, hein, essentiellement de ce soin. Comme je vous l'ai dit, de renouveler vraiment nos structures. Hein. Le taureau, c'était ce qu'on vous avait proposé avec la nouvelle lune, de revoir tout ce qui était histoire d'attachement, que ce soit à des biens, à des personnes, à des situations, que ce soit aussi à des valeurs, à des croyances, et à se montrer un petit peu plus souple là-dessus. Non pas d'y renoncer, mais d'être un peu moins intransigeant. Moi, je sais que c'est venu pas mal me piquer là-dessus, et de pas se montrer, on va dire, trop radical, et de vouloir un petit peu trop tout couper. Et le scorpion, c'est plus... on va dire des énergies, alors on parle de mort et de renaissance, hein, c'est un petit peu comme l'arcane de la mort et la sexualité aussi. Alors, pour ceux qui étaient un petit peu en berne, normalement ça devrait être un petit peu plus sympa de ce côté-là. Mais là, ce qu'on nous propose, c'est vraiment une transformation spirituelle. C'est pour ça que c'est venu taper dans du dur et taper dans du fond. Et ce qui est bien, c'est que justement, les bénédictions qui sont offertes au moment du Vésak, permettent vraiment une ouverture du cœur spirituel, et ça pour toute l'humanité. Hein. Vous pourrez également, à un moment, alors je pense quand, juste après qu'on fasse la grande invocation ensemble, vous pourrez aussi émettre des vœux par rapport à des choses desquelles vous voulez vous libérer. Hein. Parce que là, ici, on vous propose vraiment de lâcher prise sur vos fardeaux, sur vos peurs, sur vos angoisses. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui risque de remonter. Hein. C'est comme les douleurs, c'est pas pour le plaisir de pointer ça du doigt et de vous faire du mal, mais pour permettre d'en finir quelque part une bonne fois pour toutes. Hein. Le but ici, c'est d'y voir plus clair, c'est de revenir vraiment à davantage de simplicité, d'authenticité. Je sais qu'il y a un effet quand même pas mal de recadrage et de recentrage aussi qui se fait, hein, pour sortir un petit peu de la confusion. C'est pour ça que je vous proposerai un exercice d'alignement derrière. Et de revenir vraiment à votre essence, à vous connecter en fait avec votre âme. Parce que même si on est spirituel, etc., ou qu'on s'est ouvert à ça, on n'est pas forcément bien rebranché. Et d'ailleurs... c'est ma guide, celle qui m'a enseigné les soins, qui est là aussi avec nous ce soir, et j'en suis vraiment heureuse, merci à toi, qui avait fait justement à un moment des vagues comme ça, soins de reconnexion, et moi je sais qu'on m'a demandé d'en faire, donc je vais en proposer aussi par la suite. Ah bah, content que ça vous parle, c'est cool. Bon, par rapport à ce qui est du recadrage, hein, je reviens là-dessus, je vous avais dit un petit peu avec les énergies de la nouvelle lune qu'on vous intéressait un petit peu à revenir à, bah justement, qu'est-ce qui vous bloque, et une fois que c'est identifié, comment faire pour le dépasser. Mais là, en étant dans le taureau, à trouver des solutions, on va dire, un petit peu plus concrètes, hein, pragmatiques. Et là, je vous rassure, c'est vraiment en train d'arriver. Donc, que vous n'ayez pas d'imagination, que vous ne sachiez pas quoi faire encore pour l'instant, etc., ça va arriver, vous allez les avoir, entre guillemets, les solutions. Et le but vraiment, c'est de pouvoir ancrer ça, mais sur du long terme, hein, pas juste pour être bien un petit moment. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est qu'on en finisse complètement. Donc là, pour certains, vous allez voir qu'il va y avoir un espèce de petit plan de bataille qui va se mettre en route. Je vous invite vraiment à prendre une feuille et à poser les choses clairement, hein, de bien noter les idées qui vous viennent, même si à la limite ça vous parle pas tout de suite maintenant, vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis, à revoir aussi peut-être certains de vos objectifs, hein, faire
comme un petit bilan pour faire une grosse mise à jour. Pareil, je pense que quand je vous disais qu'on nous demande de revenir à davantage d'authenticité, c'est davantage d'alignement par rapport à soi-même, dans le sens où on vous pousse à être la meilleure version de vous-même, et c'est pas le tout, entre guillemets, de savoir comment elle est ou à quoi elle correspond, mais de faire ce qu'il faut pour l'amener, en fait, pour le devenir vraiment. Et je sais bien que c'est pas toujours évident parce que, ben, moi, par exemple, là, je suis timide, donc il m'a fallu un peu de temps, voyez, pour oser proposer ce genre de choses. Mais vous avez plein de choses à apporter, quel que soit votre domaine, quel que soit votre travail. Je sais bien que ça peut faire peur, mais on vous demande d'oser être pleinement vous-même. Vous ne prendrez la place de personne, de la place pour tout le monde. Mais il est temps de rayonner. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, on vous demande vraiment d'évoluer. Je sais bien qu'il y en a certains qui, comme moi, j'ai pu le faire, d'ailleurs, parce que tout ce que je vous dis, c'est valable aussi pour moi. On a posé des choses, on a déjà fait tout un travail. Et puis on s'est dit, bon ben voilà, j'ai fait mon truc, et puis maintenant, entre guillemets, j'attends que ça vienne. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il faut à un moment se renouveler, créer aussi cette vague, hein, se montrer vraiment. Même si je sais bien qu'il y en a certains qui ont du mal avec eux-mêmes, ou qui ont peur, ou qui ne s'aiment pas suffisamment, etc. Voilà, vraiment, là, il est temps de s'aimer. C'est pas pour rien qu'on est dans le chakra du cœur aussi pendant tout ce printemps. Je vous l'ai dit pour les énergies du mois de mai, et ce que j'ai pas dit dans la vidéo, mais que j'ai remis après en commentaire, c'est que d'un point de vue de la médecine chinoise, l'émotion qui est liée au printemps, c'est la colère. C'est la colère. La colère qui est liée au foie. Donc, n'hésitez pas à faire une petite cure avec un demi-citron dans l'eau tiède tous les matins, hein, pendant 21 jours par exemple, ça peut faire du bien, parce que quand vous travaillez sur un plan, vous faites travailler tous les autres plans. Quand vous travaillez même sur un plan physique, ben, ça va, c'est pas le cas, au contraire, ça va améliorer vos autres corps émotionnels, etc. Et puis, oui, je vois bien que de la colère, il y en a eu pas mal, de la tristesse aussi. Ma ravine, merci aussi. Oui, détoxification du foie, parce que la colère est reliée à l'organe du foie. Donc, si jamais vous en ressentez, ça peut pas faire de mal. Voilà. Je regarde un petit peu si j'ai pas oublié. Hein. Enfin, voilà, si je vous donne bien tout. Écoutez, là pour l'instant, on est vraiment. Enfin, voilà, la proposition, c'est de renaître à vous-même. Que vous soyez créatif ou pas, c'est de vraiment se délester, se décharger. Oui, c'est ça que je voulais dire par rapport aux histoires de larmes ou de colère. Si vous avez besoin de pleurer, allez-y, hein, c'est le bon moment. Il faut vraiment que tout sorte, hein, pas faire entre guillemets les guerriers, et puis là, se dire non, c'est bon, je serre les dents, et puis c'est bon, ça va passer. Il faut que ça sorte. Je vous rappelle que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je voulais vous dire aussi, bon, vous savez, hein, de toute façon, à chaque fois que donc, c'est une pleine lune, c'est pour mettre donc en lumière nos zones d'ombre, mais c'est aussi un bon moment pour recharger vos paupières. Vous pouvez sortir également vos oracles, vos fleurs de Bac, vos huiles essentielles, tout ce que vous pouvez. Et vous pouvez également faire de l'eau lunaire. Hein. Vous prenez de l'eau, alors mieux quand même dans une bouteille en verre, hein, si c'est possible. Après, ce n'est pas le cas, ce ne sera pas la fin du monde. Mais vous pouvez en mettre comme ça aussi dehors pour vraiment bénéficier aussi de toutes les énergies. Voilà. Alors, est-ce que ce soin nous aide pour libérer les mémoires de vie intérieure? Alors, honnêtement, oui. Enfin, moi, de toute façon, je vais demander à que tout ce qui doit être transmuté le soit également. Hein. Donc, que ce soit antérieur. Mais les histoires de vie antérieure, si vous voulez,
Il n'y a pas de temps en réalité. Vous êtes actuellement en train de vivre vos vies antérieures et vos vies futures, etc. en même temps. Le seul temps qui compte en ce moment, c'est le présent. Donc, oui, normalement, ça pourrait être touché. Maintenant, sachez aussi que par rapport aux histoires de karma, on est beaucoup moins impacté que ce qu'on a pu être, franchement, avant. Voilà. Bon. Avec une cuillère de gingembre très vite, ouais, pas mal. Alors, on va passer à un petit exercice d'alignement que je vais vous proposer. Alors, je vous demande de vous mettre debout si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, hop, je me remets bien. Pour que vous me voyez, voilà. Enfin, je suis désolée, vous ne me voyez pas complètement en entier. Mais voilà. Essayez d'ouvrir vos jambes à largeur du bassin. Ce petit exercice, en fait, c'est pour vous réaligner. Si jamais vous êtes également confus, dispersé, etc. dans votre tête ou à un moment, outre le fait de prendre des grandes respirations, ce qui est bien aussi, c'est de faire ça. Et en fait, vous mettez une main comme ça, une autre ici. Alors là, moi, je vous les montre haut, mais généralement, ça descend un peu plus, on va dire, au niveau du ventre. Et fermez les yeux. Et vous allez voir que vous allez un petit peu tourner comme une toupie, voyez, un petit peu comme ça. Et prenez le temps de voir jusqu'à ce que vous ressentiez à nouveau droit. Respirez profondément. Hop, voilà. Moi, pour ma part, c'est fait. Alors après, vous pouvez aussi imaginer à ce moment-là qu'il y a des racines qui poussent en dessous de vos pieds, hein, pour vraiment rentrer dans la terre. Et vous pouvez imaginer qu'elles vont jusqu'au noyau de la terre, jusqu'au centre, vraiment progressivement. Est-ce que vous sentez ce que ça vous fait ou pas? Connaître ou vouloir connaître ses vies intérieures me provoque de la confusion. Oui, moi, je suis d'accord. Mais des fois, ça apporte pas autant. Moi, je trouve que quand on connaît ses vies antérieures, ça donne plus, on va dire, quelques confirmations, finalement, qu'autre chose. Mais voilà, on va dire que ce qui est passé ou ce qui se passe ailleurs. Ouais, réalignement, ok, on en a déjà une. Bon, après, je vais pas vous demander non plus tous de tout mettre. Ah, bon, bah écoute, Sandy, il n'y a pas de souci, hein, tu fais comme tu peux. Ok. Bon courage à toi, hein, Sandy. Bon, Catherine, c'est bon, vous, c'est ok aussi. Bon, bah, je ne sais pas si vous le connaissiez, ce petit exercice, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire. Même chose, je vous disais, par rapport aux histoires de respiration. Quand il y a quelque chose, justement, qui vient vous piquer, prenez bien le temps de faire une grande inspiration. Comme ça, vous bloquez un petit moment et vous redescendez. Parce qu'à ce moment-là, ça vous met déjà dans un autre état de conscience. Ça vous fait revenir, si vous voulez, quelque part aussi à l'intérieur de vous. Hein, ça vous réaligne plutôt que... Je vois qu'apparemment, c'est bien, le réalignement, ça marche bien pour tout le monde. Bon, bah, c'est cool. Hein. N'hésitez vraiment pas à utiliser... quand vous le sentez ou quand vraiment vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, etc., ce sera pas mal. Alors, je voulais vous donner quoi aussi? Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Là, comme on est dans le chakra du cœur aussi, on peut faire un petit yam. Hein, c'est la sonorité qui est associée, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi faire ce signe-là, hein, pour vous ouvrir. C'est super, pas trop facile. Ok, d'accord. On peut se faire... excusez-moi. Attends, je vais le refaire bien. Bon, ça vibre un peu trop hein, dans ma voix, vous m'excusez, parce que j'ai beau avoir l'air détendu comme ça, il y a une partie de moi qui physiquement est un peu
enfin, entre guillemets, un peu stressée. Alors, c'est pas la fin du monde, mais alors, j'ai bien vu quand j'étais debout que j'avais fait une chambre qui tremblait un petit peu toute seule. Ah, super Valérie, que tu le fasses tous les matins. Alors, ça, je vais fermer, ça, je vais fermer. On va voir maintenant la grande invocation ensemble. Hop. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une invocation que certains utilisent apparemment quand ils font des soins là aussi. Mais bon, c'est la grande invocation du Vedak. Alors, c'est dommage, on ne peut pas ajouter de... Comment dire? Je ne peux pas vous montrer le texte, donc je vais vous le lire tout doucement et vous pourrez le répéter dans vos têtes, à haute voix, comme vous le voulez. Hein, c'est une invitation, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé si vous ne le sentez pas. Dans ce texte, il y a le mot Dieu qui est dedans. Moi, personnellement, je préfère dire l'univers, mais voilà, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de connotation religieuse ici, mais vous faites comme vous le sentez. D'accord? Donc, je vais revenir dessus et puis je vais vous la lire tout doucement. Alors, on y va. Pour la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur terre. Du point d'amour dans le cœur de l'univers. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de l'univers est connue. Que le dessein guide le faible. Pardon. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaure le plan sur la terre. Voilà. Voilà pour la grande invocation. Alors, je sais, je crois que comme c'est en différé, je vais attendre un petit peu. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que ça le fait pour vous. Sinon, vous me dites, je le refais encore une fois, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai qu'elle est chouette, hein, franchement. Mais d'autant que là, vraiment, le but, je veux dire, bon, nous, on fait ce soin, ça va. Ouais, bon, ok, je la refais. Non, non, il n'y a pas de problème. Je la répète parce que, voilà, il y en a qui le demandent, donc je recommence. Du point de lumière, dans la pensée de l'univers, que la lumière afflue, dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur terre, du point d'amour dans le cœur de l'univers, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de l'univers est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur terre. Voilà.
Voilà. Bon, j'espère que ça a été un petit peu mieux pour celle-là. Hop. Ouais, c'est bon. Ok, bon, tant mieux. Alors. Ok, super. Bon, alors, on va pas tarder à passer bon soin. Bon, bah, je suis contente parce que j'avais un peu peur de trop m'étaler, entre guillemets, avant. Donc, c'est bien, on commencera pas trop tard. Ce qui va se passer, avant de commencer, je vais vous le dire quand même, je vais vous faire une petite méditation pour vous mettre déjà un petit peu en condition. J'arrêterai de parler, j'irai me préparer parce que j'ai mon petit rituel que j'aime bien faire avant de commencer un soin et je commencerai derrière. Donc, si pendant 5 minutes après que j'ai fini de parler, vous sentez pas encore quelque chose arriver, c'est normal, mais ça arrivera bien derrière. Hein? D'accord? Et une fois que j'aurai fini le soin, alors il y en a peut-être hein, des fois qui s'endormiront, vous inquiétez pas, c'est pas grave, de toute façon, vous pourrez revoir après. C'est simplement que parfois, ça vient taper vraiment dans des choses très très profonde et le fait si vous voulez que les gens s'endorment, moi ça arrive souvent à des gens à qui je fais ça en soin, c'est parce que une fois que vous dormez, bah, ça coupe le mental, donc ça coupe les barrières, ça coupe les résistances et ça permet vraiment du coup d'agir beaucoup mieux. Et puis bah, une fois que j'aurai fini, moi entre guillemets, de faire le soin, les énergies de toute façon elles continueront à travailler. Tu peux mettre en avant. Alors, je ne comprends pas ce qui est marqué. On peut mettre les oreillettes. En fait, je vais couper. C'est simple. Enfin, je vais couper. Je vais laisser, si vous voulez, comment dire, la vidéo tourner. Mais le but, ce n'est pas que vous me regardiez pendant. Hein. C'est que vous puissiez vraiment revenir à vous. Essayez de voir aussi quelles sensations, si vous allez avoir de la chaleur, des picotements, si vous allez voir aussi des choses. Hein, ça arrive. Vous n'êtes pas obligé d'être allongé, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Mais franchement, si vous préférez vraiment, moi, mettez-vous à l'aise. Hein. Vous pouvez vraiment aller vous poser tranquillement, il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, j'attends juste de voir si encore, hop. S'il y a encore d'autres questions, mais là franchement, moi je vais juste couper la caméra et puis le son aussi. Enfin le son non, puisque je vais vous faire la méditation quand même. Hein, et là, allez vous installer confortablement, on va démarrer. Hop, allez, c'est parti. Donc installez-vous confortablement. Vous pouvez vous mettre assis ou couché selon votre convenance. Et quand vous serez prêt, fermez les yeux. Prenez ensuite une grande inspiration, lente et profonde. Expirez de la même manière. Afin d'accéder à un autre niveau de conscience. Imaginez maintenant qu'à chaque inspiration, une belle lumière violette et dorée provenant de cette pleine lune vous pénètre, ainsi que chacune de vos cellules, que chacun de vos corps. Cette lumière chaude et douce d'amour inconditionnel vient et entre en vous pour transmuter toute forme d'énergie négative en vous, mais aussi autour de vous. Pour vous libérer de toutes vos tensions, pour dissoudre tous vos blocages, et ça, quel qu'il soit, voyez et sentez-la vous remplir, vous nettoyer,
vous purifier, pour ressortir en une belle lumière rose d'amour inconditionnel, désormais bénéfique à tous et en tout. Vous êtes désormais calme et apaisé dans l'accueil du soin que je vais vous donner. Et les énergies vont opérer en douceur, mais en profondeur, pour vous apporter ce qu'il y a de meilleur et de plus juste pour chacun d'entre vous, et cela en toute sécurité et en toute sérénité. Je vais maintenant aller me préparer. À tout à l'heure. Doucement, quand vous le sentirez, vous pourrez revenir à vous, revenir dans votre corps physique et rouvrir les yeux. Voilà, moi je vous attends pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Si vous voulez rester encore un petit moment dans cet état, vous pouvez tout à fait, il n'y a aucun souci, prenez le temps. Bon, en tout cas, ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a au moins qui l'ont bien reçu. C'est déjà ça. Merci, Mani. Merci à tout le monde. Merci à toutes vos âmes, à tous nos guides, à tous les êtres d'amour et de lumière qui étaient là avec nous présents pendant ce soin. Je vais attendre que vous reveniez un petit peu. Tout doucement. Pensez bien à vous hydrater hein, aussi parce que ça... ça a tendance à dessécher justement, de faire des soins, d'utiliser le magnétisme. Alors dites-moi, s'il y en a certains qui sont déjà revenus, qu'est-ce que vous avez ressenti un petit peu tous? Si vous avez eu de la chaleur, des picotements, des... Alors... Bien. Alors, ouais, les remontées de peur. Alors, moi, je sais qu'on m'a demandé d'insister particulièrement sur les pieds. Je pense qu'il y en a certains, ça doit être par rapport à la peur d'avancer. Alors, je dis pas qu'en soi, vous voulez pas avancer, mais je pense simplement que les actions qui sont à faire, les pas, en fait, qui sont à faire, pour certains, il y avait peut-être encore trop de résistance et trop de blocage. Moi, je vous remercie aussi tout du fond du cœur. Ouais, le plexus aussi, vachement. J'y suis restée un bon moment. J'avais l'impression qu'il était complètement rétracté, comme renfoncé vraiment à l'intérieur. Donc, ouais, il y a eu besoin beaucoup. De toute façon, je suis passée sur tout votre corps. Je suis passée sur la tête, je suis descendue jusqu'aux pieds, je suis remontée. J'ai fait également... Alors, Jérôme, pas de ressenti, mais par contre, bon, bah, écoute, je suis désolée. Après, je sais pas si tu as déjà fait d'autres soins et si tu as déjà ressenti d'autres choses. Alors, ouais, bon, bien, les palpitations, du chaud aussi sur le corps, ok, super. Bon, bah, il y en a quand même une paire qui a ressenti des trucs, quand même, ça fait plaisir. Bon, mais super aussi si vous avez le smile. Moi, je vous ai envoyé aussi beaucoup d'amour, hein. Je vous ai envoyé au feu du cœur. Il y avait bien besoin la gorge aussi. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses comme ça qui avaient besoin de sortir. De toute façon, j'ai purifié aussi tout le chakra. Oh bah super, vraiment merci beaucoup pour tout, merci infiniment. Je suis vraiment contente. Ah oui, alors pour la sensation d'être enfoncée, c'est parce que je vous ai ancré davantage aussi. Voilà, c'est pour ça que vous avez eu cette sensation. Ouais, il y en a qui ont eu des couleurs, hein, chouette. Alors, eh ben, bon, ouais, décrocher la mâchoire, moi j'en ai eu quelques-uns aussi, ça m'a piqué les yeux. J'ai eu beaucoup de picotements au bout des doigts. Alors... Oui, alors au début, c'était beaucoup plus... effectivement, c'était beaucoup plus lourd. Moi, j'ai attaqué directement ici et j'ai eu l'impression comme de faire de la restructuration, hein, de doter aussi certaines choses parce que, voilà, de remettre les choses en place, en fait, si vous voulez.
Ok. Bon, ok, bon, bah super. En tout cas, je suis contente que voilà, vous ayez quand même quasiment tous ressenti bien les choses. J'espère que surtout que vous vous sentez bien maintenant, hein, c'est le but. Et puis, vous vous inquiétez pas, ça va continuer à travailler, hein. Ça va pas être qu'aujourd'hui, ça va être encore sur plusieurs jours, au moins deux, trois, je pense, hein. Ça dépend aussi de la réceptivité de chacun. Il y en a, on va dire, pour qui c'est hop, c'est immédiat, ça s'intègre. Puis il y en a d'autres pour qui ça va continuer à travailler, peut-être même encore pendant une semaine. D'ailleurs, j'aurais pu, comment dire, vous faire prendre votre taux vibratoire avant pour que vous voyez la différence après. Voilà, ou si vous le connaissez, amusez-vous à le prendre après, vous allez voir que ça aura remonté. Sifflement dans les oreilles, ouais. Moi, j'ai le souffle aussi. Alors. Ah, chouette, il y en a qui ont eu des images. C'est cool. Ok. Mais je vous remercie vraiment, 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 vraiment. Alors, comment on prend son taux vibratoire? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il faut quand même avoir une planche. Je vais vous montrer. Une planche comme ça, voyez, qui indique. Alors, ouais, c'est dommage, j'ai mis à l'envers, mais voilà, il y a différents taux. Et vous pouvez prendre un pendule. Si vous n'avez pas de pendule, moi je sais que je n'arrive pas à retrouver le mien là en ce moment. Vous pouvez tout simplement prendre votre pendentif et vous mettez au-dessus du cadran, hein, cadran, et vous demandez tout simplement quel est votre taux vibratoire. Voilà. Et vous saurez de toute façon, même quand vous faites un son, que ce soit moi ou n'importe qui, votre taux vibratoire est ici. Voilà. Vous avez bien fait un son normalement et un remonte derrière. Alors, des fois, il ne remonte pas tout de suite complètement, puisqu'il y a encore du travail qui va se faire. Et après seulement, là, vous verrez que c'est bien remonté. Et le taux vibratoire, ça peut vous permettre justement de voir, entre-temps, si vous ne vous sentez pas très bien, etc. Et que vous le prenez qui est plus bas, ben, voilà, ça vous indique qu'effectivement, il y a des choses qui sont venues un petit peu, je vais pas dire forcément s'accrocher, mais vous pompez en tout cas de votre énergie. Et ça peut, voilà, vous dire, ah, tiens, il faudrait peut-être que je fasse un soin, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour faire remonter mon taux vibratoire, parce que là, a priori, il y en a besoin. Alors. D'accord. Alors, sur le chakra racine. Ouais, je pense que les gros de la libération, ça a été couronne. Et puis, pour ma part aussi, au niveau des pieds. Bon, bah super, si l'effet de lourdeur a disparu et que vous vous sentez un petit peu plus léger, c'est l'essentiel parce que c'est vraiment le but. Et puis, vous inquiétez pas hein, aussi pour certains, si vous avez l'impression là d'être un peu fatigué, un petit peu comme si vous aviez été chez l'ostéo, c'est tout à fait normal. Vous allez bien dormir ce soir, en tout cas. Voilà. Alors, un truc où je vois pas. Alors, je crois qu'il y en a. Alors, c'est. Il y en a une qui me dit qu'elle a mal à la tête. Alors, bon, normalement, mes soins sont pas. C'est bizarre parce que je ne vois plus, c'est écrit en noir. Ça va pas durer éternellement, ton mal de tête. Le mal de tête, c'est parce qu'il y a encore trop de barrières et trop de résistance, mais ça va s'estomper. C'est parce que ça travaille beaucoup, si tu veux. Souvent, quand les gens aussi ont mal à la tête, c'est parce qu'ils se la prennent trop, parce qu'ils cogitent trop, il faut débrancher. Ah, punaise, mais comment ça se fait qu'on voit plus les. Je pousse ça parce que je vois quasiment plus rien. Youpi, un gros dodo. Ouais, ça là-dessus, je pense que vous allez tout bien dormir ce soir. Hein, pour ceux qui avaient quelques petits problèmes de sommeil, là, normalement, ça devrait vous aider quand même pas mal. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Enfin, est-ce que je peux répondre à certaines de vos questions ou pas? Je vais attendre un petit peu. Ouais, mais je pense que tout le monde a envie d'aller au lit, hein, plutôt, apparemment. Et tant mieux, hein, comme ça continuera à travailler. Alors.
Ah, chouette. Chouette pour les ressentis. Putain, je suis contente. Je suis vraiment contente parce que j'ai essayé de ne pas penser à la peur que tout le monde ne reçoive pas, on va dire, le soin. Mais forcément, j'y ai pensé un petit peu. Donc, je me suis surprise tout de suite. Et j'espère vraiment parce que c'est, honnêtement, c'est la première fois que j'en fais à autant de personnes en même temps. Alors. Ah bon bah c'est cool, même si tu t'es endormi finalement, eh bien, au moins tu en as quand même les bénéfices à ressentir après ce que ça a fait. Mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas des fois de s'endormir pendant les soins, c'est juste pour couper un petit peu le mental. Tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos retours. Alors on peut continuer à faire pareil dans les jours qui viennent et plutôt le soir. Alors, c'est-à-dire continuer à faire pareil. Parce que là, le soin, il va continuer. Moi, la vidéo, je vais la laisser un peu pour les deux personnes qui, normalement, la regarderont demain. Moi, j'ai... Enfin, vous pouvez essayer, hein, après tout, si vous voulez le revisionner, on va dire en replay. Moi, je n'ai rien contre, hein, si ça vous fait du bien. Mais voilà, normalement, ce qui vous a été envoyé, vous a été envoyé. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin forcément de le refermer. Si vous sentez, si vous en avez envie, il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Oui, et ben bonne nuit aussi. Hein. Si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous retiens pas. Vous faites comme vous le sentez. Déjà, je suis contente au moins d'avoir vu vos retours. D'ailleurs, sachez quand même, je vais essayer d'extraire la vidéo et de la remettre, mais je couperai le son pour les personnes qui n'ont pas assisté pour qu'il y ait des gens qui puissent voir un petit peu, on va dire, l'avant, l'après. Ça leur donne peut-être une idée. Je sais pas si je vais y arriver, mais je pense aussi mettre aussi un post sur la communauté de la chaîne. Parce que bah, moi, quand je fais des soins, j'aime bien savoir passe aussi par la suite. Voilà. Donc, si jamais il y en a pour qui il se passe des choses dans la semaine, là, on est samedi, mais vous m'avez comprise, ben, comme ça, vous pourrez aussi les mettre en dessous, etc. Alors. Oh, chouette, si tu as eu des messages d'amour d'un défunt. C'est cool. C'est vrai que là, ces derniers temps, ben, nous, on a eu un avec Céline qui était un petit peu inattendue, une petite communication comme ça, c'était pas mal. Et je sais pas si c'est toutes ces histoires-là, il y a eu pas mal de gens qui ont eu des problèmes cardiaques, il y a pas mal de gens aussi qui sont partis, là de manière un petit peu soudaine. Mais comme le scorpion est en lien avec la mort et la renaissance, ça peut-être aussi s'expliquer par rapport à ça. Alors. Ah bah super, bah avec grand plaisir. Et puis bah moi là du coup ça m'a conforté aussi sur le fait que je pourrais le reproposer aussi à nouveau. Donc ça sera vraiment avec grand plaisir pour ceux qui le voudront par la suite. Bon, bah les larmes c'est bien. Si c'est sorti, c'est que ça avait besoin d'être purifié. Et contente que voilà, ça peut, de toute façon c'est pas le but. Enfin, j'ai rarement eu des soins où les gens ils ont pleuré tout le long. Ça sort un peu au début parce que ça fait une reconnexion. Après, voilà. Bon, c'est cool. Comme tu dis, la chaleur et la joie après reviennent. Bon. Moi, je vous remercie en tout cas tous, vraiment du fond du cœur. Vraiment, ça m'a fait plaisir de partager ce bon moment avec vous. J'espère que ça vous apportera vraiment le plus de bienfaits possible. Que ce soit déjà ce soir, bien sûr, mais aussi dans les jours à venir, je vous embrasse très, très fort. Voilà, je lis encore vos commentaires, mais je pense que je vais vous laisser aller dormir tranquillou, hein, puisqu'apparemment, il n'y a pas trop de questions, mais merci aussi beaucoup pour vos retours. Vraiment, je suis contente, vraiment, c'est chouette, je suis contente que ça ait bien marché. Voilà. Ouais, moi aussi, je vais m'en poser, c'est clair. Je vous embrasse fort. Et puis, bah, écoutez, je vais couper là dans quelques minutes. Hein. Voilà, prenez tous bien soin de vous. Et puis, bah, vraiment, je vous souhaite des beaux jours à venir. J'espère que vous pourrez avancer mieux.
que vous vous sentirez un peu moins tétanisé, peut-être aussi par certaines choses. Voilà. Et vous pourrez vous épanouir au mieux, tout simplement. Donc, merci du fond du cœur. Je vous embrasse et puis, ben, je vais vous laisser. Merci pour votre participation. Encore, franchement, j'étais vraiment heureuse. Et vivement qu'ils mettent un système où on peut voir, entre guillemets, enfin, on peut mettre les gens pour les voir et puis qu'ils puissent parler à vos. Voilà. Hop. Ça fait bizarre de couper comme ça, mais bon, tant pis. Hop. Bam. Ok, bon, bah, je suis contente aussi de travailler. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je suis passée partout. Donc, après, vous êtes tous différents et qu'entre guillemets, enfin, vous n'avez pas tous les mêmes besoins en soi. Hein, ça a été travaillé aussi à différentes choses. J'espère qu'au passage, si ça peut atténuer de trois douleurs, ce ne sera pas mal non plus. Mais bon, voilà. Je vous souhaite encore une belle et bonne soirée. Je vous remercie encore tout du fond du cœur. Et puis, bah, écoutez, je vais couper là pour ce soir. Et puis, bah, je pense que derrière, je vais mettre un post comme ça si jamais vous voulez remettre encore vos ressentis, s'il y en a qui n'ont pas eu le temps là, etc. Ou qui veulent aussi les mettre tout simplement un peu comme des témoignages ou me redire par la suite. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Voilà. Je vous embrasse encore fort et puis je vous souhaite une bonne nuit. Namasté.